Alors aujourd'hui, je vous présente une belle série de fossiles Mélongena lenei de l'Aquitanien des Landes. Ah, ils sont particulièrement de belle taille et de bonne conservation, ce qui n'est pas toujours évident à obtenir. Dessus, vous voyez, il y a des huîtres encore collées et du sédiment à l'intérieur, beaucoup de mini-coquilles. Ce sont de très beaux spécimens. Mélongena lenei. C'était des coquillages qui vivaient entre la marée haute et la marée basse sur les plages, donc qui étaient exposés au va-et-vient de la marée, qui était à découvert à marée basse et qui attendait la marée haute. Ça, c'est un Tudicla rusticula, miocène, aquitanien, des Landes, en France, Mélongena cornuta. Vous avez vu les épines? Il ne fallait pas marcher dessus, hein? Oh, c'était il y a 18 millions d'années à peu près. Le cornuta et le lenei, il y a une différence quand même au niveau de la déco qui est plus accentuée quand même nettement. Après le reste, c'est plus lisse aussi. Ça se ressemble assez. Celui-ci, en principe, restait en permanence dans l'eau, cette espèce-là. Donc on en trouve un peu moins. Et celle-là, on en trouvait beaucoup plus sur les plages fossiles. Le Tudicla est très beau aussi, avec un long siphon là qui est un petit peu cassé. Voilà ce qu'on peut trouver dans les Landes en creusant. Merci, à bientôt et abonnez-vous.